selon information me gagné nèg ça tombé à son nèg que la police t'a cherché et assemblé son l'autre policier qui était dans dans même appartement monsieur monsieur relé pour le dire commandant menem l'hôpital on prend balle et qui fait monsieur résister jodi a m'pa vle dit justement la police dans sens que t'es une opération t'a mené mais selon information que moi gagné c'est à des policiers qui descendent individu qui était bon. Eh bien, le fait que l'État faille à mission, l'État inexistant, l'État pas qu'à prendre responsabilité, qu'on y a ces chefs gang yo, qui transforment tête yo, gens ont toujours souhaité, ou bien, gens pile nèg qu'on a brûlé yo, comme agent de développement, comme agent social, c'est yo même qui prend place l'État qu'a fait social. Nous vivons dans le village de Dieu. Anel Joseph qui mettait moun souran, t'assemblé l'autre nèg yo pas manger moun tellement comme ça ou bien pas ouais. Et m'baron ouais izo nèg yo a bail moun comme ça non? Hein? Mais Anel il mettait moun yo souran, la bail yo manger dans village de Dieu. Et pas gen des autres. Et tout moun rete souran, y a prend manger. M'gardé moi l'amour sans jour qui mettait moun souran. Yo a l'acheter là moi même li fait moun yo ba un petit corbou et li ba un petit bagage et puis li moun yo vinn prend manger moun yo vinn prend manger me dit pas gain problème son pays a fini nan men non et bien la société écoutez le fait que l'État a démissionné l'État a pas existé jodi a là nous descend nan Gonaïve dans département la Tibonite l'en rive nan barrage Jean Denis à qui est nan croisé avec toi sous écran, c'est monsieur Treleti Bebria, oui. Oh! Gary Desrosiers, que nous allons parler avec lui, sous assassinat, trois policiers, ça y est, hier, dans la boule. Alors, c'est dans Thomasin, 48. C'est ça. On a commencé avec Gary Desrosiers, porte-parole PNH, lan, sous Sandaka, considéré comme drame, puisque trois policiers en uniforme, ouais, dans l'exercice travail, tombés dans un seul coup. Vraiment, c'est une situation que moun n'a pas souhaité ou bien pas toléré ça qui arrivait hein, côté policier yo a tombé et au senti pas gain réplique hein le policier yo tombé comme ça nous arrivé établi contact avec Gary Desrosiers porte-parole à PNH lan. Bonjour Gabriel, Pierre Brunel, bonjour Ferdinand, bonjour Lydie, bonjour tout auditeur auditrice et Radio Caraïbes. Alors c'est précision que m'a porté et moi saute en contact avec mon responsable au niveau Pétionville, c'est au niveau d'Erma et alors Thomasin 32. C'est malheureusement un incident malheureux, ça très très grave, ça Tristan qui produit hier aux environs de 1 heure et dans Thomasin 32. Alors premier élément d'information que nous disposons, effectivement depuis 23 heures, il y a une mobilisation de la police pour maintenant et une opération dans une zone vallée heureuse et qui sont zones qui trouvent dans une zone et la Bouillon mais qui est gagné et protection et même à Thomasin et puis opération et mobilisation faite de 3 heures mais vers 5 heures pratiquement et opération déroulée avec des unités spécialisées parce que et t'es bon cap que la police t'est mettée dans une zone Sahara parce que nous connaissons depuis bien des semaines et zone Sahara et population zone Ifrayo et qu'on ait des moments vraiment difficiles avec de bandits et armés dans zone Sahara qui empêchaient population lui-même et vaquer l'activité de la longue source et puis le TMT Caprio la police de Caprio sous là et puis au cours de l'après-midi et vous connaissez les types d'opérations Sahara il applique tout et commissariat ou sous-commissariat qui est dans zone yo, et puis, t'es gagné tout des patrouilles sous qu'un accent, qui t'a monté de la boule 12 et à Thomasin, 32, jusqu'à 38, et puis voilà que, situation, ça, et malheureux, ça a produit, et arrivé au niveau de Thomasin 32, côté que des bandits, et trouvé yo, et son docaille, et puis, pendant que le véhicule là,
c'est un patrouille qui vient 7 policiers à bord, c'est un véhicule Chevrolet pick-up et qui est assuré des patrouilles et présence et sous accident et puis arrivé dans hauteur ça et puis et en position là et ils sont d'occasion et puis ils ont tiré en direction de patrouille et côté que malheureusement les gens sont abdiés là gagné 3 et jeunes garçons, 3 policiers et qui malheureusement perdu la vie, qui c'est les policiers Pierre Paul Junior Dorsey, agent 2, et qui était fait partie de la 6e promotion PNH là, qui gagnait 37 ans, et gagnait Nicolas Benson, agent de 26 ans, et puis Dez et Fortirien, qui gagnait 28 ans, et 28e promotion. Mais alors, c'est du jeune monde, et du jeune garçon, et qui, lui-même, qui est venu servir PIO, justement, et Johnny Tab dit à l'heure, de 21 garçons qui mettaient et vieux qui mettait et tout ça où qu'on est jeunesse et pour ou capable et participer dans et sécurisation payant voilà que et ça a produit hier dimanche. Mais pour nous, est-ce que y a un bandit qui tombait effectivement et à qui moment ça arrivait et puisque m'tendons voice un policier cap expliqué yo té fin bandi yo fin tombé dans cas d'affrontement et c'est pendant yo sous lieu côté bandi yo tombé à yo surprendre yo donc ça relé yo prendre en embuscade. Alors et ça vient jeune comme information mais il gagné et pour pipiti et on m'a dit qu'il a identifié qui est blessé mortellement et au niveau de Thomasin moi quoi que à travers et même des plans capable et photo ça ce qui sont motards et pour pipiti pour image qui vient je nous montrer que c'est toi et c'est ça il a été kimbé jusqu'à hier soir mais pas de parole moi très souvent la police là dans type d'affrontement ça ou bien un type opération ça a perdu du monde moi elle fait facile donc au niveau de institution hein, et ça yo vle dit comment nous même nous appréhender yo comment nous travail sur yo pour que au lieu que ces policiers cap tomber dans opération mais c'est la quoi les dans quand bandi yo et plusieurs fois et gagné des interventions qui sont faites dans des zones que nous connaît qui gagne longtemps et a bail problème difficulté qui gagne de groupe armé la dernière et la police encore j'en suis tout à l'heure et dans quatre missionnés et pour qu'elle permette que population là non souffre ou bien soit dans zone non souffre et qu'on fait des interventions et qu'on dirait tout des bandits tout qui malheureusement blessé mortellement et mais et gagne et la préférée nous là une attaque arrivée au niveau marxisant côté que nous avons perdu et près de 4 policiers et c'est effectivement ça arrivé au moment opération mais et nous toujours après chaque intervention toujours au début film pour connaître exactement et qui ça pour nous améliorer qui ça pour que nous la prochaine intervention comment pour que nous capables et font meilleure couverture. Et alors ça crie hier soir là et c'est une situation qui est vraiment triste parce que Jean-Louis là et M. Sao qui a une permission pour occuper de l'AXA pour une présence là et puis l'opération d'un côté le cap déroulé qui était planifié depuis 3h et 5h et du matin. En porte-parole confirmé ou infirmé pour nous, il y a une information qui a circulé comme quoi tu as un quatrième policier qui mourit zone club international. Est-ce qu'on arrive à vérifier l'information ça? C'est tout de suite que moi j'ai brûlé ça, moi j'ai les bases PV, les constructeurs de communication qui au niveau commissariat ça, et à chaque fois que nos situations, nous avons toujours fait coup de fil, relais, et je dis que c'est pas confirmé. Pas confirmé. C'est pas confirmé. Eh bien, merci un peu votre parole. N'a pas noté Guerrier, Guerrenel, Lady, et Ferdinand, et malgré les situations, ça, malgré ça qui encore frappé PNH là, et Ferdinand a fait considération tout à l'heure, et ces deux bandits à sa patte avec Mario, et ces deux bandits que nous avons tout imaginé, et parfois même à célébrer et quoi que le travail là et que l'affaire là malgré les difficultés malgré
et manque de matériel, mais c'est une détermination, son volonté et qui allait au-delà et qui fait que nous nous-mêmes notre travail bon côté par nous de ce côté-là. Mais nous croyons que il faut que population toujours est manifestée et disons volonté pour que les appuyer les travail PNH là n'apprendre encore une fois pour que toujours continuer porter support à police là et pour que de manière même ensemble et au fur et à mesure pour qu'on capable débarrasser eux de bandits et qui empêcher eux-mêmes dans zone yo dans localité yo dans ville province courir vaquer les bonnes activités. Gary Desrosiers, porte-parole institution la police là concernant trois policiers sayo qui mourir hier dans Thomasin 32, c'est ça? 38 ou 38? Ouais, 32, bon, vraiment pas. Selon Gary Desrosiers, porte-parole à la police, là, donc, ça arrivait hier. Gagné information, ça, Johnny t'es parlé de l'Italie dans l'introduction, hein, qui est-ce que la Russie est intéressée pour tes aides Liban Haïti dans la bataille contre gang Axamio, en tout cas, et un groupe mercenaire russe qui botte nom Wagner, t'as envisagé, intervenu dans le pays, dans l'idée pour aider le gouvernement haïtien. Attaque bandit qui a bail problème yo, c'est un document Pentagone qui prend la rue. Groupe Sahab travaille pour combattre intérêts américains tout côté à travers un monde. Comme réponse à quelle nouvelle ça, l'agence renseignement américaine yo dit c'est stratégie la Russie a fait pour capable arriver joindre ZAM, équipement à monde pour qu'a fait la guerre, selon journal New York Times avec Daily Mail. N'a pas gagné plus de détails dans dossier ça avec Luxon Saint-Ville qui s'est correspondant permanent non depuis aux États-Unis. Groupe mercenaires ça y aurait les Wagner, gain réputation comme yon bon combattant russe qui gain en pile compétence sous champ de bataille avec yon l'armée qui gain ancien prisonnier la donne. Yo gain une force qui puissant, yo gain en pile influence non seulement dans pays Ukraine mais tout dans divers l'autre côté dans monde là. Groupe ça qui voulait débarquer en Haïti, c'est une organisation paramilitaire cap défendre intérêt extérieur pays la Russie. C'est Yevgeny Prigozhin, yon proche président Vladimir Poutine, qui créé dans l'année 2014. Actuellement, yon gen plus que 50 000 soldats en Ukraine. Sorti 2015 à jodia, groupe ça al bataille dans plusieurs pays tant que Syrie, Libye, Mali, République Centrafrique, pour ne citer ça seulement. Selon document secret Pentagone qui prend la rue semaine passée à qui cite yon employé Wagner Group, gagne plus que 1645 employés groupe ça dans pays Mali en Afrique. Ça qui provoque gros inquiétude dans question sécurité dans Côte d'Ivoire yon pays voisin. D'après même document ça yo, Wagner Group a travaillé activement dans l'idée pour contrer carré intérêt américain en Afrique. Groupe mercenaires ça envisage tout pour yon mettre pied au terre en Haïti. Yo proposé pour yo aider gouvernement haïtien nan attaquer gang Axam kap bay problème nan pays a. C'est ça New York Times écrit nan yon article qui sorti samedi passé. Comment groupe mercenaires ça ka intervenir en Haïti? Est-ce que yo déjà opéré nan pays a jan information ou vle fè quoi ça? En tout cas, si journal américain New York Times dit yo envisage implanter sous territoire haïtien, agence Daily Mail li même pi direct et fait connaître document Pentagone qui lagué sur réseaux sociaux yo révélé que groupe mercenaires russe qui pas manger en fret déjà opéré en Haïti en banin et puis en bab pays États-Unis pour répéter propre parole journaliste yo. Cependant agence l'en pas bail détail qui jan à comment Mam Wagner yo a fonctionné dans pays ya. Mais selon ça New York Times rapporté c'est un projet qui visait joindre zam et ça montre dans qui niveau groupe ça a nécessité pour aller plus loin dans l'idée pour atteindre objectif yo. Selon journal américain, c'est un signe qui montre que toute sanction occidentale contre pays la Russie yo commencé pour te fuir. Document classifié ça yo d'après New York Times montre que l'armée russe la affaibli, yo manque moun ak équipement et puis y a fait face à gros problème. Pendant ça, le ministère de la Justice aux États-Unis a annoncé yo l'ouvrir une enquête capable identifier moun ki deye gros des autres ça côté un bande document sensible Pentagone prend la ri. Document ça yo gen pour ak la guerre qui est en Ukraine agissement adversaire yo mais tout allié américain yo.
Washington Post, même Jacques New York Times fait connaître cependant gen plusieurs responsables américains qui replacé qui dit gen au moins une partie dans document ça qui authentique. N'a rappelé dans divers mouvements protestations qui déroulaient dans mois passé en Haïti, plusieurs militants qui réclamaient aux des plateformes petite des salines que Moïse Jean-Charles a dirigé qu'on a levé drapeau la Russie bien haut. Une façon pour demander président Vladimir Poutine venir des hôpitaux. Na place pays blanc américain. Depuis l'État Floride aux États-Unis. Luxon de Saint-Ville pour Caraïbes FM. Merci un peu, Luxon de Saint-Ville qui t'a parlé à Canon depuis aux États-Unis. N'a pas retourné la caille, nous. Pour aller au caille, pour aller parler à un correspondant permanent, nous, Georges Valence, puisque nous apprenons qu'il y a un entrepreneur qui est mort dans le sud des pays. Il y a plusieurs indices. Le Premier ministre Ariel Henry compte-t-il ses jours? Un autre titre. Malheur à Ariel. Un de niveau. Ses jours, Ariel doit. Mais si Ariel doit mourir, il va mourir. Il a fait un qui a malade, il a une maladie. Il a commencé grand monde. Non, ça arrive. Mais ses jours, il faut capable de dire. Qui veut dire son dit dans ses jours? Ses jours. Faut clair. Ses jours. Clair, coup de pouce. Ses jours. Faut clair. Ses jours au pouvoir. Au pouvoir. Ah, ok. Mais il a mouru au pouvoir. Tout. Bon, pas qu'on ait. C'est interprétation pour faire. Ok. Clair. Ok. Et. Non, marcher, chercher. N'en parler avec des gens, tout des gens importants dans le pays, des gens qui sont dans la politique, des gens qui sont proches du gouvernement. Tout. Et même si aujourd'hui, elle en rit pratiquement ses seuls coqs dans la basse-cour. Elle voulait être dans la basse-cour. Il n'est pas aussi à l'aise, jeune Bansil. Choisis là. Non? Pourquoi M. Zéabal? Il y a un val américain. Zéabal. Il n'est pas aussi à l'aise, jeune Bansil. Ok. Si on a appelé le match avec Gilet Parbal. Il n'est pas aussi à l'aise. Et il renforce plus sécurité. Il n'est pas aussi à l'aise, jeune Bansil. C'est normal. Mais tu as dit dans l'émission Matin Débat. Pas jamais de monde qui connaît qui dit Ariel Henry gagné avec le blanc. Avec les Américains en particulier. Mais il y a un deal. Même Jean-Bertrand Aristide, tu as un deal avec les Américains pour te tourner, venir là. Ok. Et puis le craser la mer. Et tout ça qui a passé là, aujourd'hui, là, permettez de tout, il est rentré dans le registre de faits temps passé. Il est rentré dans le registre de faits temps passé. Faits temps passé pour aboutir à qui ça? Mais information que me viennent de sous panneau, hein, je dis à si l'ambassade qui va dans le dossier à Henry, il est l'ambassade de France. Mais ça veut dire que, en dans ce groupe là, ok, bon conscience qui prend, en dans ce groupe là permettant à tout, il reconnaît que effectivement, c'est marqué que Ariel Henry a marqué pas sous place. Et il est conscient de la situation. Jonathan Powell qui est en Haïti, il a une mission bien spécifique. Je ne sais pas si là. Mais là, il est en Haïti, il vient rentrer dans la réalité de fait temps passé à tout. Il vient comprendre ça. Il y a quelque chose qui se prépare. Comment est-ce qu'il a préparé? Mboko a dit nous qui s'allier, parce que Mboko a une information sur lui. Mais sous cela avait mon nan ken parler a d'une logo gon alternative qui là qui est en train d'être peaufiné. OK, qui est en train d'être finalisé. Quand on dit avant qu'on signe gon dit avec dire que côté loko ba petite ça mais quand hier ça, soir moi rêvé monsieur qui était pouvoir. Yon ti jeune garçon, mwen wè, yon entré avec lui, qui prête serment. Bon, bon, drôle de coïncidence. C'est son rêve qu'il le fait. En tout cas. Donc, selon source là, à moun nous parler, y'a une alternative qu'a préparé là.
Gede nèg la blanc final avec yo. Yo déjà signé pour yo. On peut gagner des attaques qui a fait là. Et sanctions que le Canada mette sur des mouns en Haïti yo. Et ça fait hier matin une émission matin débat et m'a répété encore. Haïtien qui dans cabinet Premier ministre Justin Trudeau yo. Dit Premier ministre pour nous Haïti après tant pour le qui ça Canada fait de sanctions ça. Parce que jusqu'à présent pour Haïti sanctions ça yo yo vienne barrer tant que c'est blague. Vous d'accord avec ça? Oui, d'accord avec vous. OK. Maintenant tout n'est pas rose pour Ariel Henry. Mais pendant que n'a parlé là c'est que tout le monde dit en fait j'ai dit le matin hein, et très déçu de ACT. Ah oui, et déçu également donc de madame Maniga, Maniga parce que lui rentré dans l'orbeille comme ça. T'as attendu là. OK. Mais faut qu'on comprenne madame Maniga tout parce que madame Maniga te comprenne. Que docteur Ariel Henry son monde de parole. Il te comprend tout que moun qui t'approche lui qui devine parler avec lui c'était des moun sincères. Il te gen l'autre garantie tout. Qui, oui, qui te de fait de l'international. Qui te fait comprendre tout que particulièrement okay, les États-Unis. Qui te fait comprendre que ouais. La pral quitter non dans l'histoire. Parce que c'est pas lui même toute bagarre pral passer. OK. Et puis malheureusement, il roulait madame dans la farine. Elle a été dupée. Et jodi là donc dossier ACTA, c'est une déception. Claire. Une déception pour l'international, je vous dis la paix matin à tout. OK. Parce que avec moun gembalé al dim louko et blanc pas prend international là pas prend ACTA donc pour rien. Et jodi là le constat qui a là vient faire que donc décision qu'a prendre là pas prendre la pas prendre le plus vite possible. Parce que tant à Ariel Henry, il est presque fini. Parce que écoutez, madame, monsieur, où nos pays, je dis, Sojé Bank fait même porte li, non, vous parlez pour être insécurité. Je dis, BNC fait même porte li, vous parlez pour insécurité. Vous avez un ministre de la justice qui est clair avant, donc, il y a des territoires perdus. Et de fait, nous, nos pays, côté que c'est chaque jour, un territoire a perdu. Où nos pays, je dis, l'école fermée. Pas gagner l'école ferme porte pour insécurité. Ou gon police jodi a qui démotivé et qui pas gagner respect pour la hiérarchie. Ou gon police, ou gon police jodi a là qui pas prendre l'ordre. Qui pas prendre LB pour rien, qui pas prendre état major pour rien, complètement désorganisé. Complètement désorganisé. Ou non pays côté que gouvernement qui l'a pas fait police à confiance. Ou non pays dans moment là kidnapping n'a pas jamais campé. Ou non pays dans moment là donc moun a mouri dans pays là et puis gang yo c'est yo qui continue faire la loi. Dim ki Jean yon allié qui respecte tête li capable continuer supporter yon gouvernement qui non est pareil. Dim ki Jean. Pas comme ça. Mais bien comme ça. Et m'a dit nous tout que jodi a faut chaque grand haïtien pour Haïti dans cœur yo. Moun ki kon vole lougaou, suspend vole lougaou. Gade pays a pito. Moun ki kon nan chambrel, font ti camper sou activité chambrel là. Gade pays a pito. Jeune de prière, pasteur, fait 24 sur 24, font si camper sous yo. Gardez pays à pito. Parce que jodi a là, dans sa nouye là, écoutez, c'est sauf qui peut lier. Et, ou gade le matin la tout. Nations Unies, parce que était quoi dans le dossier haïtien? Non, Nations Unies est accusé. Est accusé. Attention. Oui, mais il parce que. Il parce que était quoi dans le dossier haïtien? Bas là. Vous savez, positionnez-vous. Très bien. Qui dit Premier ministre d'Angleterre? Angleterre, très bien.
OK. Mais on prend Nations Unies antigen très prudent. Dans le dossier Haïti, il y a quelques temps on va attendre Guterres. Et pas sérieux, il y a depuis octobre, il y a pas approche. Ou est-ce que j'aime suivi, il y a des bagages qui fait. L'autre dit les Nations Unies ou dit les États-Unis d'Amérique. Oh, clair. Très bien. Parce que ça gagne là, au son, j'ai dernièrement nous avons fait une analyse comme ça. Très bien. Sous question sanctions. Donc, où est Canada qui poussait l'ISLI à deux jours en jour à ajouter, à ajouter la dame. Mais où est tout comportement américain sous dossier par rapport à mon yodi qui résident ou bien qui citoyen la caillou, où est le comportement qui a gagné? Yo caché de on loi pour yo dire non, malheureusement yo pas qu'à sanctionner moun sa, yo pas qu'à accompagner Canada dans sa affaire. Très bien. Donc quelque part on peut tout comprendre que l'ONU dans sanction qui ont été annoncé yo, yo pas qu'à avancer tout parce yo que pas qu'à avancer tout comportement américain gagné là correct qu'on va le faire passer de américain la difficile il donc pas qu'à espérer en pile bagaille ou clair ou clair alors donc qui dit comme ça que si le Canada est sérieux dans ses actions, où est le juge qui signera l'assassinat? Oui. Alors, le mandat. Nations Unies là dans moment là, on voit être très prudent sur le dossier Haïti. Et j'en dis là où ben tel fort, ça a lié tout avec comportement des États-Unis d'Amérique. Comprenez bien? CARICOM a tenté porter solution à problème Haïti. CARICOM Gassedan. Porter solution. CARICOM devine pas c'est une tête. Hein? Faire passer. Le dernier sommet réalisé en Dominicaine, le sommet ibéro-américain, pays Amérique latino. Rien pas sorti bien matin la doute. Jean-Roger Noël Sius. Jean-Roger Noël Sius. Ok, haïtien qui est dans le cabinet, Justin Trudeau. Ok, dis Premier ministre pour nous, voyez pour nous là, Jean-Roger Noël Sius. Qui te mette mandat pour arrêter le président Jovenel Moïse qui vient assassiné donc quelques jours après. OK? Mais quelque part la justice haïtienne pas fait rien contre monsieur. Correct. Donc pour Canada faut que Canada ta rentrer dans logique de faire suivi de faire en demande. OK de la justice. De la part du gouvernement haïtien de la justice haïtienne. Donc en tout cas juste sur dossier assassinat Jovenel Moïse là comme il s'appelle encore et Walter. Walter oui c'est Walter. Ouais, Walter a écrit qu'on y a là. Voilà. OK, commande affaires étrangères. OK, pour demander le Canada pour voyer pour nous. Donc juge Jean-Roger Noël. Jean-Roger Noël Sius. Noël Sius. OK, qui demette mandat pour arrêter Jovenel Moïse. Donc quelques jours avant, il était assassiné madame monsieur. Maintenant, toute tentative sera faite là. Il va marcher. OK, les pays de l'Amérique latine, yo vinn là de Dominicani, c'est sous dossier Haïti. Ben là pas marché. CARICOM voue bien, présenter la doute. Ben là pas marché. Président américain Joe Biden avec Premier ministre Trudeau. Ben là pas marché. Et yo font coup 90 degrés. Est-ce que là, ben là pas marché. Madame monsieur, c'est moi m'expliquer nous côté dossier Haïti aujourd'hui là. Qui côté lié? Tenez mon frère. Qui côté lié? C'est presque fini pour Ariel Henry. C'est presque fini pour lui. Parce que son constat, faut comprendre ça. Faut comprendre ça clair. Et maintenant, joueur qui va jouer là, ou va jouer encore, encore Montana qui retourne sous table. Montana va diviser, genre que l'opinion comprend rien, pas une division dans mi-temps. Oui, mais c'est Montana qui pour créer des divergences. Mais il y a des divergences. Il y a un joueur qui est perdu. Qui joue avec le Brésil là-bas?
nous recevons un groupe pour Ablo et Esaü. Nous recevons un groupe négociateur. Signataire. Non, signataire. C'est qui ça? Vous avez mis un nom en catégorie, quel que soit niveau que vous avez mis. Vous avez signataire encore là. Vous avez coupé 21 décembre. D'abord, mais il n'y a pas de signataire. Malheureusement, je dis, certainement que vous avez fait le choix que vous avez fait. Regrette. Soit que vous devez. Mais vous devez faire comme 4 minutes. Oui, parce que Ariel ou Léon ne fait rien. Voilà, ça tape ça. 600, oui, qui décide. Et quand pile n'est oui, comme ça. D'accord, en septembre, non. Et pour Ariel, 600, oui. Qui est-ce que vous dites 600, c'est pas si vous voulez. Attendez, qui c'est 150 000 gouttes. Ah, mais voilà. Acheté. Ah, monsieur. Attendez. Pas essayer, Abdoulaye. Attendez. Pas aller, n'a pas. Donc, selon madame, monsieur. 150 000 gouttes, oui. Madame, monsieur, selon analyse ça. Si tout pour n'avoir l'école, si tout pour n'avoir ce jeu de bagaille pour Haïti. Et quelle que soit la solution pour Haïti, c'est supporter en fait Ariel Henry. Est-ce que d'accord? Quel que soit. Si vous avez une intervention militaire, si vous avez une fait là, vous avez fait bon. Non, pour Ariel Henry. Non, si Ariel Henry, si le premier ministre là, c'est l'ESAFL, c'est lui-même qui a joué.